je présente des dessins. Et la galerie s'appelle Les Arts Dessinés, alors ça me semble logique. Mais cette fois, ce sera que le papier. Dessin crayon, aquarelle, un peu de tempéra. Et je crois que le dessin est vraiment l'invention de l'homme qui le sépare des bêtes, je trouve. Et on peut même, avec un contour, raconter toute une histoire. Moi, je travaille comme ça. Je commence plutôt avec des contours, avec des lignes, en cherchant mes personnages, mes situations que je veux dessiner. J'adore le fait qu'un trait de crayon n'est pas défini comme noir. Il est presque argenté. Il brille toujours un peu de différents points de vue. Il semble plus noir ou plus gris. Ça donne une sorte de vie au dessin. J'aime beaucoup travailler dans mes dessins avec le contraste entre les éléments organiques et les éléments géométriques, souvent dans la forme des choses faites par l'homme, des meubles, des bâtiments, de l'architecture, des perspectives. En faisant la peinture ou le dessin, l'image, j'ai dû constater dans ma vie que je les adore, les femmes, et que je ne les comprends pas très bien. Et je pense que je me suis dit intérieurement, peut-être en les observant bien et en les peignant après, tu t'appropries un peu ce que tu dessines ou ce que tu peins. Je les adore et ça reste un mystère. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un mystère pour essayer d'en faire une image ?